Salut, c'est David. On se retrouve pour les dernières vidéos de l'année. Je vous ai préparé des réponses à vos questions. J'ai reçu pas mal de questions sur plein de sujets différents. Et comme c'était les dernières euh, bah, réponses de l'année, j'avais envie euh, un peu de répondre à un maximum de questions. Donc, on va... Euh, bah, j'ai un petit peu travaillé dessus, j'ai un petit peu... Euh, voilà, fait des réponses un peu plus complètes que d'habitude, un peu moins improvisé que d'habitude. Vous le savez, voilà, euh, en, temps, en temps normal, je prends votre question et euh, j'y réponds quasiment aussitôt, voilà, sans vraiment réfléchir. Là, euh, j'ai voulu préparer un petit peu plus et donc je vais répondre tout de suite à une question de Stéphanie qui me demande peut-on être en CDI et auto-entrepreneur en même temps Vous le savez, il y a beaucoup de gens, euh, vous êtes peut-être dans cette situation, qui, euh, bah, qui sont en CDI et qui veulent pas tout de suite lâcher leur CDI tant qu'ils n'ont pas au moins 1000 euros ou 1500 euros de revenus grâce à leur activité indépendante. C'est normal, je comprends, quand on a un loyer à payer, quand on a des enfants, quand on a bah, des charges fixes, c'est normal de ne pas vouloir lâcher son CDI où on gagne 1000 euros ou 1200 euros tous les mois euh, bah, pour un poste, enfin fin, finalement entre guillemets, pour son propre job dans lequel on ne sait pas combien on va gagner et dans combien de temps. Donc tout simplement, on peut euh, cumuler le CDI et auto-entrepreneur à quatre conditions qu'on va voir tout de suite. Oui, on peut cumuler euh, si ce n'est pas interdit dans le contrat. C'est-à-dire que dans votre contrat de travail, il est possible qu'il y ait une clause euh, comme quoi vous n'avez pas le droit d'avoir de, de, un job, enfin euh, d'avoir euh, un autre job ou bien une activité euh, non salariée à côté. C'est par exemple, voilà, ma sœur, elle est dans ce cas-là, elle travaille dans une grosse entreprise pétrolière bon. et, euh, et dans son contrat, c'est spécifié qu'elle n'a pas le droit de créer sa boîte, elle n'a pas le droit d'avoir d'autres jobs à côté. Enfin voilà, c'est vraiment très très euh, très très carré. Alors je sais pas au final si c'est, enfin j'imagine comme c'est une grosse boîte, je pense que c'est légal, mais euh, je ne sais pas si on, vraiment on a le droit. D'imposer ça à ses salariés, d'imposer de ne pas avoir d'autres jobs ou quoi. Je pense que c'est légal à condition que ce soit un job à temps plein. C'est-à-dire que là, elle, elle est en 35 heures ou 39 heures, je sais plus. Euh, enfin voilà, en plus, je ne sais même pas si vraiment elle a des horaires, puisqu'elle est cadre, donc c'est un peu particulier. Euh, mais voilà, concrètement, je sais pas, je pense que c'est légal à condition que ce soit un job à temps plein. Donc bref, euh, voilà, vous pouvez cumuler euh, CDI et euh, auto-entrepreneur à condition que ce soit pas. Interdit dans le contrat. La deuxième chose, c'est à condition que ça ne soit pas évidemment au détriment de votre CDI. C'est-à-dire que si vous passez euh, 30 heures par mois, enfin, ou 30 heures par semaine, pardon, sur votre job, enfin, euh, sur votre emploi non salarié à côté, c'est-à-dire que si vous faites, par exemple, je ne sais pas, si vous faites des micro-jobs à côté, ça va prendre beaucoup de temps donc ça va pas forcément être possible parce que ça va être au détriment de votre travail en CDI c'est à dire que vous allez beaucoup beaucoup travailler les micro jobs on le sait ça fait quand même pas mal travailler et du coup à ce moment là ça va pas vraiment être possible enfin ça va être possible mais euh, il faut vraiment pas que ça soit au détriment de votre travail euh, en CDI à côté euh, par exemple c'est possible si vous faites des revenus passifs imaginons si vous avez lancé je sais pas vous avez lancé euh, 10 formations et elles sont en ligne et elles se vendent automatiquement si, euh, si maintenant vous voulez chercher un CDI, vous pouvez parce que ça va pas être au détriment, puisque les, vos formations elles vont se vendre automatiquement et vous allez gagner de l'argent automatiquement. Par exemple, là, moi, si je voulais, euh, là, maintenant j'arrive à gagner de l'argent grâce aux, à mes revenus passifs, vous le savez, et enfin, euh, vous le savez, voilà, si vous me suivez, et du coup, je pourrais très bien, si je voulais, trouver un CDI, euh, voilà, je sais pas, un truc serveur, j'en sais rien, vendeur en magasin, en sais rien, vendeur de fleurs, genre. peu importe. Je pourrait le faire, puisque bah, finalement, j'aurais même pas besoin de travailler. Et là, je gagnerais de l'argent en automatique à côté de mon travail en CDI. Donc, j'aurais même pas besoin de travailler pour, euh, bah, pour gagner de l'argent. Et du coup, bah, finalement, euh, je pense que mon employeur serait content parce qu'il se dirait bon, bah au moins, euh, voilà, il, il gagne de l'argent à côté, mais il travaille pas pour ça. Donc, euh, voilà. Bref, euh, la troisième chose, c'est évidemment le dire à son patron. Ça, de toute façon, je crois que c'est obligatoire. Euh, vous devez prévenir votre patron si jamais vous voulez, si jamais vous avez un job à côté. Euh, c'est déjà le cas, par exemple, si on est, euh, si on est euh, agent commercial indépendant, vous devez prévenir si vous avez un autre poste d'agent commercial indépendant. Donc déjà, en étant indépendant, vous êtes déjà obligé de le faire. Alors, vous imaginez qu'en CDI, vous êtes évidemment obligé de prévenir votre patron que vous avez un poste, enfin euh, que vous avez un, une activité non salariée à côté. Et enfin, la quatrième chose, c'est de ne pas être concurrent. Parce qu'évidemment, imaginons que vous êtes développeur. Vous êtes développeur euh, en informatique dans une agence web, par exemple. Ça va être compliqué. Voilà, si vous êtes à côté de ça euh, freelance en développement web, bah du coup, il y a un problème qui se pose, puisque vous êtes, euh, vous êtes concurrent de votre propre CDI. quoi. Donc là, il y a un souci qui se pose, et personnellement, si j'étais l'employeur, je ne serais pas très content. Donc je sais pas si c'est... Enfin, encore une fois, là, je pense que c'est illégal de faire ça, d'être concurrent de son propre patron. Euh, et puis en plus de ça, bah, tout simplement, si votre patron l'apprend un jour, je pense que vous allez prendre la porte, avec peut-être des petits soucis juridiques derrière. Donc surtout, ne le faites pas. Voilà, donc c'était les quatre... Euh, conditions on va dire pour avoir un CDI et un poste euh, auto-entrepreneur à côté. Vous avez des sites euh, où, dans lesquels vous pouvez poser des questions euh, juridiques comme ça. Moi, je suis pas avocat, je suis pas, euh, je suis pas un homme de, de justice, on va dire. C'était juste voilà des, des règles de bon sens déjà, et puis des choses que j'ai trouvées sur internet. Voilà, on se retrouve tout de suite dans l'autre la, vidéo, et euh, vous avez juste en dessous une formation gratuite pour bah, tout simplement créer un business automatique. Donc, si ça vous intéresse, vous avez la formation juste en dessous et dans la petite fiche qui est juste là. Salut.